La prière, Bible en main. Pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement, pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la prière Bible en main. Chaque samedi, 5h-6h AM, sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, de notre communauté et de notre pays. La prière Bible en main est une production du service chrétien, le foyer de communion. Veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour et bon réveil, amis, et bienvenue à la prière Bible en main pour ce samedi 1er octobre 2022, le premier jour du 10e mois de l'année. Amis, comme dirait un pasteur, nous devançons le mois d'octobre. Hein? Nous allons déclarer la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu sur notre vie, sur la vie de notre famille, sur la vie de notre pays pour ce mois d'octobre. Nous allons engager notre Dieu sur ce mois-ci en notre faveur, en faveur de nos familles, en faveur du foyer de communion et en faveur de notre pays. Mais avant tout, amis, comment ça va chez vous? Veuillez répondre, s'il vous plaît, dans le chat, puisque c'est important pour nous de savoir comment vous allez. C'est aussi important pour nous de savoir comment est-ce que la situation qui prévaut maintenant dans le pays vous affecte et à quel niveau, et comment pouvons-nous nous donner la main ensemble, puisque nous appartenons à une même famille. Nous sommes sur la terre ensemble et aussi le foyer de communion, c'est ce que nous voulons faire, nous rassembler devant le trône de Dieu. Amis, j'ai patienté toute la semaine pour vous rencontrer aujourd'hui et j'espère qu'à vous aussi j'ai manqué. Hein? Eh bien, disons-le ensemble, hein? Écrivons-nous-le, ok? Voilà, en introduction à la prière Bible en main aujourd'hui, j'ai à cœur de vous interpeller sur votre entourage. Les gens qui sont autour de vous. Est-ce que vous les observez? Comment les voyez-vous? Avez-vous une idée comment ils vous voient aussi? Vous êtes-vous déjà soucié de cela? Amis, c'est important, oui, ces choses. Et c'est important d'essayer d'ouvrir une conversation autour de vous. Ne serait-ce que pour vous informer de la situation des gens et prier pour eux. Ok? Et rappelez-vous, hein, amis, que vous et moi, comme enfants de Dieu, nous faisons partie d'un peuple spécial, avec une autre culture, un autre système de pensée. Ok? Et notre responsabilité est d'influencer. Nous devons y penser et sérieusement. Parce que, écoutez, réveillons-nous, amis. Ok? D'accord. Merci, amis. Voilà, ce matin, nous abordons le sujet du Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce. Amis,
Notre Dieu est un Dieu de grâce, vous le savez? Notre Dieu est un Dieu de grâce. En Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 13, la Bible nous dit, et je lis pour vous, rappelez-vous le principe, c'est la prière, comment? Comment? Répétez avec moi, la prière, Bible en main. Eh bien voilà, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 13, nous allons faire cette lecture ensemble pour comprendre ce Dieu de grâce, jusqu'à quel niveau il est prêt à manifester la grâce et qu'est-ce qu'il nous demande aussi. C'est le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Voilà, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 13. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez lire avec moi? Lisons ensemble, amis. Au verset 1er, maintenant, voilà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, amis. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous êtes là, amis. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Amen. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, verset 11. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, amen. Mais maintenant, disons encore amen, amis. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été quoi? Vous avez été quoi? Rapprochés par le sang de Christ. Disons amen, amis. Amen. Voilà, amis. Notre situation avant notre rencontre avec Dieu. Notre situation avant notre rencontre avec Dieu. Amis, vous lisez le verset premier. Qu'est-ce que ça dit? Ah, le mot qui commence le verset, c'est pas vraiment intéressant. Hein? Vous étiez mort. Amis, regardez bien. Voilà l'identité que nous avons eue avant notre rencontre avec Dieu. Nous étions morts. Et morts vraiment. Regardez bien. Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. C'était notre marche selon le monde, selon le diable, selon les convoitises. Que dit Romains 6, verset 23? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, à cause de nos péchés, nous étions morts. Est-ce que vous êtes là? Il est dit aussi en Romains 5, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? Et par le péché et la mort. Et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà, amis, la situation dans laquelle nous nous étions trouvés avant notre rencontre avec Jésus-Christ. Nous étions morts. Waouh!
Ami, c'est difficile de le dire, mais quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie, la Bible dit qu'il est un mort. Qu'il est un mort. Waouh! Mais bien pire, ami, il est dit dans le passage que, au verset 3, nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous aussi, c'est-à-dire nous croyants, nous devons nous rappeler cela. Nous étions aussi de ce nombre. OK? Et il est dit que, comment nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature, voilà le mot, ami, par nature, des enfants de colère comme les autres, ok? Autrement dit, non seulement que nous étions morts, mais nous étions des enfants de colère. Waouh, ami, ce n'est pas de très bon qualificatif pour une personne. Des enfants de colère comme les autres, selon les convoitises, l'orgueil de la vie, les convoitises de toutes sortes, amis. Ah, ce n'est pas un bon tableau, amis. C'est comme si naturellement, nous étions disposés au mal, nous étions disposés au péché, nous étions vendus au péché. Et la Bible dit que nous étions des enfants de colère, amis. Est-ce que vous comprenez ça? Des enfants de colère. Et il a dit, comme les autres, amis. Ce n'est pas un bon tableau. Ce n'est pas un tableau reluisant, amis. Ce n'est pas un bon tableau. Être des enfants de colère. Mais, alléluia, amis. Alléluia pour notre Dieu. Parce que la Bible dit que la grâce a tout changé. Disons amen à cela, ami. La grâce a tout changé. Voilà ce que la Bible dit au verset 4, ami. Mais Dieu, amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Voilà, ami. Disons-le, miséricorde. Disons-le, ami, miséricorde. Disons-le encore, miséricorde. Voilà. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, ami, riche en miséricorde, la miséricorde de Dieu, ami, a tout changé. Vous connaissez ce que ça veut dire, miséricorde? Waouh! C'est-à-dire, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, sa disposition bienveillante envers nous fait que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. En réalité, amis, qu'est-ce que nous méritons? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais la miséricorde de Dieu, la grâce a tout changé, amis. Disons amen. La grâce a tout changé. Hein? Il dit, son grand amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ami, la grâce a tout changé, ami. Amen. La grâce a tout changé. Comment j'aurais fait pour mériter ça, hein? Mais Dieu l'a fait, Dieu me le donne. Ah, waouh, ami, Dieu l'a fait. Je ne sais pas ni comment, ni pourquoi, mais tout ce que je sais. Ami, disons ensemble, Dieu l'a fait. Et bien plus, à cause de sa miséricorde, à cause de son amour, remarquez bien au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qui est arrivé? Il nous a rendus vivants. Vous ne voyez pas, ami? Tout à l'heure, j'ai lu que nous étions morts. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a rendus vivants. Amen, ami. Amen, ami. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez, ami? Il nous a rendus vivants. Et non seulement qu'il nous a rendus vivants, vous allez voir, ami, bien plus que cela. Il nous a rendus vivants avec Christ, verset 6. Il nous a rendus vivants, mais verset 6, regardez bien, ami. J'aurais aimé que tout le monde lise ça avec moi. Il nous a ressuscités ensemble, et quoi d'autre? Et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, amis, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Non seulement deux morts que nous étions avant notre rencontre avec Jésus-Christ, il nous a rendus vivants, désormais nous sommes vivants, nous avons la vie de Dieu en nous, n'est-ce pas? Nous avons la vie de Dieu en nous, mais aussi, amis, il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Amis, ne me posez pas de questions me demandant où est-ce que je suis maintenant. Où est-ce que je suis maintenant? Si vous êtes un enfant de Dieu, où est-ce que vous êtes maintenant? Répondez tout simplement Éphésiens 2, verset 6b, si vous voulez. Éphésiens 2, verset 6, il dit, « Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà là où nous sommes, amis. Nous sommes en Christ. Et où est Christ? À la droite de Dieu. Et où sommes-nous? En Christ, à la droite de Dieu. Amen. 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 J'aime poser des questions à ce point-là, amis. Pourquoi cette grande bonté envers nous? Pourquoi Dieu manifeste-t-il cette grande bonté envers nous? Vous connaissez la réponse, amis? Ah, il faut le chercher, amis. Il faut chercher le verset 7 maintenant. Que dit la Bible? Il dit, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, amis. » Waouh, vous ne comprenez pas, amis. Cette grande bonté est manifestée envers nous, amis, parce que désormais, nous sommes un témoignage éternel de l'infinie richesse de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amis, disons Alléluia. Levez la main pour dire Alléluia. Autrement dit, amis, vous et moi, nous sommes un témoignage vivant et éternel que notre Dieu est un Dieu richement, infiniment grâce. Ah, vous êtes là, amis. Vous êtes là. Mes paroles, mon Dieu, amis. Nous sommes un témoignage. C'est comme si les croyants nous représentons un trophée. Un trophée. De l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et même d'où ça, amis? Vous ne pouvez pas comme ça. Ouh, amis. Rappelez-vous que c'est nous. Nous, à nous seuls, oui, que Dieu fait grâce. Ah, vous ne pouvez pas comme ça. Qui est-ce pour une question? Qui est-ce pour dire ça encore, amis? Qui est-ce pour dire ça encore, amis? À nous seuls que Dieu fait grâce. Hey! Si vous comprenez, amis, campez, dit béni soit l'Éternel. Si vous comprenez ça, à nous seuls, Dieu fait grâce. Dieu ne fait pas grâce aux anges. Ouh, s'il les fait grâce, il les crée. Mais si les anges pêchent, amis, aucun moyen. Dieu ne dispose, Dieu ne planifie, Non. Il fait grâce à nous, les croyants. Il fait grâce aux hommes. Vous êtes là, amis? Eh bien, nous sommes un témoignage de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et amis, regardez verset 8. Car quoi? Le salut est par la grâce. Le salut est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Le salut est par la grâce. Autrement dit, non pas en vertu de ce que nous aurions mérité. Ce que nous avons mérité, amis, c'est la mort éternelle et non la vie éternelle et non le salut. Dieu nous fait grâce par la grâce. Amen. Par la grâce. Mais ce qu'il dit aussi, amis, au verset 10, oui, nous sommes sauvés par la grâce parce que désormais nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes l'œuvre de Dieu,
nous sommes l'accomplissement de Dieu, eh bien, nous avons une vocation nouvelle. Ah! Nous avons une vocation nouvelle, ami. Quelle est cette vocation, ami? Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous devons les pratiquer. Vous êtes là? On pose une petite question encore, ami. D'où venons-nous? D'où venons-nous? Verset 11. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous, autrefois. Autrefois, quoi, ami? Nous étions d'origine idolâtre. C'est ce que ça veut dire. D'origine idolâtre. Autrement dit, ami, toute ignorance du vrai Dieu est idolâtrie. Toute ignorance du vrai Dieu est idolâtrie. Le fait que ou pas qu'on est vrai Dieu, hein? Le Dieu trinitaire, le Dieu créateur, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu Père de Jésus-Christ qui est mort à la croix, le fait que ou pas qu'on est bon Dieu, ça, on a idolâtrie. Nous étions d'origine idolâtre. Et remarquez bien, sans espérance messianique. C'est-à-dire qu'aucun moyen de nous sauver. Étranger aux alliances. Non. Nous n'appartenons pas à la race d'Abraham. Et sans Dieu dans le monde, nous ne connaissions pas le vrai Dieu. Et au final, éloigné. Jadis, éloigné. Ah, eh bien, amis, estimons-nous heureux d'être rapprochés par le sang de Christ. Estimons-nous heureux d'être rapprochés par le sang de Jésus-Christ. En conclusion, amis, remarquez bien. Premièrement, personne ne mérite la grâce de Dieu. Si c'est pas sur la base de mérite, si c'est sur la base de mérite quelconque, absolument personne ne serait sauvé. Parce qu'il est impossible, hein, d'être sauvé autrement que par la grâce. Toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé, ok? Et puis, amis, regardez bien, personne n'est né bon. Personne n'est né bon. Alors, je ne dis pas créé bon. Adam était créé sans péché. Mais, quelle que soit la personne, on est né pécheur. Personne n'est né bon, contrairement à la vie de Jean-Jacques Rousseau. Personne n'est né bon. Troisièmement, amis, le salut est uniquement par la grâce. Le salut est uniquement par la grâce. Et quatrièmement, la grâce incite au travail. La grâce incite au travail et non à la paresse ni à la licence. Attendez bien, amis. Verset 10 là, il dit, étant l'ouvrage de Dieu, nous sommes créés en Jésus-Christ quoi, pour de bonnes œuvres. La grâce n'est pas liée à la paresse, la grâce n'est pas liée à la licence. Ok? Si Dieu nous fait grâce, il nous fait grâce. Il nous transforme, et mais désormais nous sommes utiles. Nous devons être utiles. C'est ça, amis. Et remarquez bien, amis, comme des retombées de cette grâce, titre 2, verset 11 à 13. Titre 2, verset 11 à 13, que dit la Bible? La Bible dit que, ok, la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Titre 2, verset 11 à 13, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation et la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amis, ce qui importe maintenant, c'est que la grâce est disponible. La grâce est disponible. Un. Deuxièmement, la grâce enseigne la sanctification au quotidien.
Voilà, ami. Vous êtes là? La grâce enseigne la sanctification au quotidien. Oui, Dieu nous a sanctifiés en Christ. Mais Dieu nous demande aussi d'être sanctifiés au quotidien. Autrement dit, de vivre dans l'obéissance à sa parole, de vivre dans la soumission à Dieu et la sanctification continue. Ok? Dieu, la Bible, la grâce enseigne la sanctification continuelle. Continue. Est-ce que vous êtes là? Ok. Et la grâce aussi nous porte à la bienheureuse espérance. Et enfin, amis, la grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est Dieu. Question, amis. Connaissez-vous la grâce? Connaissez-vous la grâce? Autrement dit, connaissez-vous Jésus? 2. Vivez-vous la grâce? Ah, amis. Et cette question, cette deuxième question, ce n'est pas très facile, non? Vivez-vous la grâce? Eh bien, amis, c'est le moment de rendre grâce à Dieu pour la grâce. On va rendre grâce au Dieu de la grâce. Prions ensemble, amis. Disons ensemble, Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la grâce. Nous bénissons ton nom glorieux, car tu es le Dieu qui fait grâce. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui nous ouvre les portes de la grâce. Nous élevons ton nom de nous avoir ressuscité de la mort spirituelle en Adam par la grâce. Tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes avec toi en Jésus-Christ. Par la grâce, tu nous rapproches de toi à travers Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés par la grâce. Nous te remercions d'avoir pardonné toutes nos offenses, nous accorder des privilèges extraordinaires en Christ. Le salut, la présence continuelle de Dieu, l'identité d'enfant de Dieu, par la grâce. Ô Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons action de grâce. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous élevons ton nom. Merci Père pour la grâce. Merci de nous avoir fait grâce. Et merci de continuer de nous faire grâce. Au nom de Jésus Père, nous te prions. Disons Amen, amis, ensemble. Amen. Voilà. Voilà, amis, nous sommes de retour. Maintenant, nous connaissons la grâce de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous connaissons la grâce de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas la grâce de Dieu aussi, la porte de la grâce est ouverte. C'est ça, oui, la grâce est disponible. Mais maintenant, amis, pour vous et moi, qui connaissons la grâce, qui sommes sauvés en Jésus-Christ, quelle est notre part dans la grâce? Quelle est notre responsabilité face à un Dieu de grâce? D'abord, ami, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, d'abord, il doit accepter le don de la grâce de Dieu. Autrement dit, il doit dire oui à Dieu. Il doit dire oui à Dieu. Jean 5, le verset 24 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Autrement dit, il faut dire oui à Dieu. Et comment dire oui à Dieu? C'est en confessant le nom de Jésus. Nous confessons Jésus, le Fils de Dieu. Et il est mort à notre place pour nous pardonner et nous donner la vie éternelle.
Voilà, et nous le déclarons notre Seigneur. Voilà, ami. Comment dire oui à Dieu. Mais comme enfants de Dieu aussi, nous devons dire oui à Dieu. Oui au projet de Dieu dans notre vie. Oui au projet de sanctification de notre Dieu dans notre vie. Et quand nous disons oui à la grâce, ça nous engage aussi à travailler. Vous vous rappelez ce que Paul avait dit en 1 Corinthiens 15, le verset 10? 1 Corinthiens 15, le verset 10. Vous ne vous rappelez pas? Lorsqu'il présente l'évangile pour dire, voilà l'évangile, ok, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu, vous êtes là? Vous savez ce qu'il a dit au verset 10? Gloire soit rendue à Dieu. La grâce de Dieu, ok, n'a pas été vaine envers moi. Et il explique pourquoi. Il dit, parce que plus que tous les autres apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Voilà, ami. Vous comprenez? Nous devons dire oui à Christ pour son travail. Aussi, ami, nous qui sommes l'objet de la grâce, nous sommes appelés aussi au sacrifice, ami. Nous sommes appelés au sacrifice. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, pour les sœurs. Autrement dit, nous devons aussi nous dédier à la cause de Dieu. Autrement dit, amis, nous devons jouer notre vie au service de Dieu. Voilà, amis. Et c'est ça, oui, la grâce. Ah, connaître la grâce et vivre la grâce, c'est toujours des choses différentes. Ok? Et ma prière, c'est que nous vivions la grâce ensemble. Voilà. Aussi, amis, quand nous savons que Dieu nous fait grâce, nous connaissons le Dieu de la grâce, qu'est-ce que nous devons faire, amis? Nous devons faire grâce aussi. La règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de même pour eux. Alors, j'ai à cœur de vous rappeler une parabole de Jésus-Christ. Je ne vais pas la lire, mais je vais juste vous rappeler l'idée de cette parabole. Vous vous rappelez la parabole du débiteur méchant? Quand je dis débiteur, vous comprenez? Monsieur qui était doué mettre là, en pile l'argent, et puis, il y a le côté mettre là, il dit mettre là, moi j'ai un problème, moi pas j'ai moyen pour me payer. Situation pas bon même. Il est tellement supplié mettre là dit, ok d'accord, on fait au grâce, ou mettre aller, moi effacer d'être là pour. Et puis pendant la sortie qu'il mettre là, il rencontrer yon l'autre monde qui te doué li quelques pièces dans le langage haïtien. Quelques pièces. Li kembe moun sa nan gorge pour le dire comme ça. Eh bien, jodi a, m'a étranglé ou si ou pa paye m. L'autre la supplie, elle vous dit, m'pa genye moyen pour me payer ou. Ami, j'ai décidé de tout faire l'autre là. C'est des témoins qui viennent dire mettre là, mais mon nous saute effacer d'être lié à étrangler l'autre monde là, oui. Mettre la parole pour dire oh, état ça ou pas même considérer miséricorde que me saute manifester envers vous, grande bonté que me saute manifester envers vous. Pour être capable de manifester même bonté ça tout envers l'autre monde. Non? Hein? Je ne sais pas qui ça met là, tu dis. Même si tu as un ami, lorsque tu recevras la grâce, ou là tout pour bailler la grâce. Vous comprenez ce que je dis là? Ou là tout pour offrir la grâce à l'autre monde. Et il y a un verset en Philippiens 1, verset 29, qui nous dit aussi. La grâce aussi signifie souffrir aussi. Souffrir pour lui. Souffrir pour Dieu. Endurer aussi des situations. Parce que nous sommes croyants. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons une autre culture.
Parce que nous avons un autre système de pensée. Nous souffrons aussi, amis. Nous souffrons aussi. Et la Bible dit en Romains chapitre 6, le verset 14, « Attention, amis. Attention au règne du péché. » Parce que si nous sommes sauvés par grâce, amis, plus question de laisser le péché régner sur nous. Non. Parce que la grâce nous enseigne aussi à renoncer à l'impiété. La grâce nous équipe aussi pour vivre dans ce siècle comme enfants de Dieu. Et en Hébreux chapitre 12, le verset 15, il est dit, amis, que nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. Là où Dieu ne met pas d'interdiction, amis, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous ouvre les portes de la grâce. Qu'est-ce que vous faites? Il faut rentrer. La grâce de Dieu ne met pas d'interdiction à ce que vous soyez baptisé. Mais il faut être baptisé. La grâce de Dieu ne met pas d'interdiction pour louer l'Éternel. Il faut louer l'Éternel. Il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne met pas d'interdiction que vous participiez à la Sainte Cène, sinon que vous êtes là pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Il faut participer, amis. Ok? Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la grâce et nous allons lui dire aussi, voilà que nous aussi, comme le dit bien le chant, hein, qui dit, désormais, je veux servir mon Sauveur. Je veux glorifier par ma vie celui qui est mort pour moi, pécheur. Parce que si Jésus-Christ est mort à notre place, amis, eh bien désormais, amis, nous devons nous disposer à son service aussi, n'est-ce pas? Voilà, eh bien nous allons prier pour cela. Nous allons prier d'abord pour dire au Seigneur, merci parce qu'il nous a inspiré la foi pour dire oui à la grâce. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous pouvez prier aussi pour dire, Seigneur, merci pour la grâce. Je confesse maintenant que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur. Et je dis merci pour la grâce qu'il m'accorde en me pardonnant mes péchés, en me donnant la vie éternelle. Si vous confessez ça, la Bible dit que vous avez la vie éternelle. Vous recevez la vie éternelle et c'est automatique, amis. Ne ratez pas cette possibilité. Si la grâce est disponible, ne vous en privez pas, amis. Vous êtes là? Si la grâce est disponible, ne vous en privez pas. Si la grâce est disponible, la grâce est là. Nous allons prier, amis, pour accepter le don de la grâce de Dieu, pour dire oui à Dieu, oui au travail que Dieu propose. Nous lui disons merci pour cela. Nous allons lui dire merci aussi parce que sa grâce va travailler en nous et nous sommes prêts à laisser place à la grâce pour qu'il puisse travailler en nous. Aussi, nous allons lui dire que Père, nous sommes prêts aussi à collaborer, nous sommes prêts aussi à disposer notre vie, notre temps, nos richesses, nos connaissances à la disposition de la grâce de Dieu. Nous allons lui dire aussi, nous sommes prêts aussi à laisser la grâce aimer les autres dans notre vie. Et nous allons lui dire, Père, s'il y a une souffrance dans notre vie à cause de la grâce de Dieu, eh bien nous sommes prêts à vivre ce moment de joie aussi parce que c'est la grâce de Dieu. Ah oui, ami. Et nous allons lui dire, Père, qu'aucun péché ne règne sur nous parce que nous vivons sur la grâce. Et nous allons lui dire que aucunement nous n'allons accepter de nous priver de la grâce de Dieu, ami. Est-ce que vous êtes là? Voilà, amis, prions ensemble, prions ensemble. Disons merci Seigneur Dieu, oh merci Seigneur Dieu. Père d'amour, nous bénissons ton nom pour la grâce. Nous te disons merci et nous voulons te dire oui Seigneur. Oui à la grâce, oui à cette grâce qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Mais aussi oui au travail de la grâce dans notre vie. Oh merci pour la grâce. Merci pour l'enseignement de la grâce. Oui, cet enseignement, oui, de la grâce qui nous dit de renoncer à l'impiété, qui nous dit de marcher dans la sanctification au quotidien. Nous bénissons ton nom pour la grâce. Merci, Père,
pour le sacrifice de Jésus-Christ pour nous accorder la grâce. Mais Père aussi, merci de nous inspirer aussi, le sacrifice aussi, de pouvoir souffrir aussi parce que tu nous as aimés le premier. Nous bénissons ton nom pour cela. Que la grâce ne soit pas vaine dans notre vie. Que la grâce ne soit pas vaine dans notre famille. Que la grâce soit fructueuse dans le foyer de communion. Que la grâce soit fructueuse dans la vie de chacun de nous. Oh oui, Père, nous bénissons ton nom pour cela. Oui, tu as donné ta vie pour nous. Père, inspire-nous le sacrifice que tu veux. Oui, que nous fassions par la grâce au nom de Jésus. Que notre vie, Seigneur, soit devant toi. Que notre vie soit disposée à te servir par la grâce au nom de Jésus. Ô Père, que nous ne soyons pas comme ce serviteur, ce créancier, ce débiteur méchant, oui, à qui la dette a été remise et qui est allé étrangler l'autre Seigneur qui lui devait quelques sous. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous ne sommes pas ce créancier, ce débiteur méchant. Merci Père, que le péché ne règne pas sur nous, parce que nous vivons selon ta grâce. Au nom de Jésus, ô Père, qu'aucun d'entre nous ne se prive de ta grâce. Que nous obéissions à ta grâce, au nom de Jésus. Que nous obéissions à ta grâce, ô Jésus, ô Dieu notre Père. Merci pour la grâce, merci pour la grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, nous prions. Disons Amen, amis. Disons Amen, Amen. Encore une fois. Amen. Et maintenant, amis, nous allons prier le Dieu de la grâce. Comment prier le Dieu de la grâce? Comment prier le Dieu de la grâce, amis? Voilà. D'abord, pour prier le Dieu de la grâce, il faut lui rendre action de grâce. Action de grâce. Remarquez ce que la Bible dit dans le psaume 32. Le psaume 32. Regardez bien ce que la Bible dit. Heureux, psaume 32, vous êtes là? Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amis, disons-le. Réjouissons-nous en l'Éternel et soyons dans l'allégresse. Poussons des cris de joie, oui, nous qui sommes droits de cœur. Et comment le sommes-nous, amis? Parce que le Seigneur nous a rendu sa sainteté. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Parce que c'est lui qui a pardonné nos péchés. Parce que c'est lui qui nous a libérés. Parce que c'est lui qui nous habite. Et qui nous fait don de sa présence par la grâce. Et bien dans le psaume 32, il est raconté cette histoire-là. C'est David qui parle. Là, il est en train de célébrer le Seigneur parce que Dieu lui avait pardonné son péché. Et remarquez bien, amis, au verset 3, il est dit, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. » C'est comme si, amis, quand on cache ses péchés, la parole de Dieu dit, le fait de cacher ses péchés, on ne va pas progresser. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, nous dit la Bible en proverbe. Est-ce que vous êtes là? Et David dit que je gémissais, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Et il est dit, celui qui avoue ses péchés et qui le délaisse obtient miséricorde. Et voilà, David dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et regardez le résultat, et tu as effacé la peine de mon péché.
Et il dit, voici le conseil, que si tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Et remarquez, amis, prier le Dieu de la grâce, c'est considérer que le Dieu de la grâce est un asile pour nous. Tu as un asile pour nous, ô Éternel. Il dit au verset 7, tu as un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. L'Éternel est notre garantie dans la détresse, amis. Et il dit aussi, tu m'entoures de champs de délivrance. Disons amen à cela, amis. Imaginez le Dieu de la grâce qui nous entoure de champs de délivrance. Qu'est-ce que nous devons lui dire? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le verset continue pour dire, voilà. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit l'Éternel. Et il dit, regardez bien. Quand nous prions le Dieu de la grâce, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un foin et un mors dont on les parle afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Mais il dit, beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Et moi, je le dis aux Haïtiens qui font le mal. Aux Haïtiens de quel que soit côté où il y a, quel que soit responsabilité où il y a dans le pays, quel que soit ce qui fait qui mal, l'âme d'arrêter tout ça. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Ah! Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais il dit en revanche, quoi? Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Ah, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et c'est pourquoi, enfin, il dit juste, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Eh bien, amis, voilà comment nous prions le Dieu de la grâce. Nous lui rendons action de grâce, n'est-ce pas? Nous lui rendons action de grâce, nous lui disons merci. Eh bien, nous allons témoigner, amis, de la grâce de Dieu. Nous allons lui dire, voilà, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous fais grâce. Et voici mon besoin devant toi. OK? Voilà mon besoin devant toi. D'accord? Nous allons prier, amis. Nous allons lui dire merci au Seigneur de grâce, au Dieu de grâce. Nous allons lui rendre action de grâce. Nous allons lui compter les bienfaits envers nous. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a pardonné tous nos péchés. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a libérés dans la présence, dans sa présence. Eh bien, voilà. Et on va le dire, amis. S'il donne Jésus comme le prix de la grâce qu'il nous a accordé, il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner par la foi. Est-ce que vous êtes là, Abby? Voilà, nous allons prier maintenant. Nous allons lui dire merci, d'accord? Nous allons prier, nous allons lui dire merci. Dieu notre Père, ô Père d'amour, nous bénissons ton nom glorieux. Nous te rendons action de grâce parce que tu es le Dieu de grâce. Ô, dans ta parole, il est dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et toi, tu prendras soin de nous. Nous sommes devant toi pour te rendre grâce, Seigneur. Pour te rendre grâce parce que tu es Dieu. Pour te rendre grâce parce que tu nous fais grâce. Pour te rendre grâce parce que c'est toi qui nous pardonnes. Pour te rendre grâce parce que c'est toi qui nous aimes. Pour te rendre grâce parce que c'est toi qui nous fais du bien au nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais. Tu es le bon Dieu. Tu es extraordinaire dans notre vie. Et voilà, tous nos besoins sont devant toi. Les besoins de notre famille. Oh, nous pensons à la famille prédestin dans le nord. Oh Père, nous te rendons action de grâce pour ce couple. Et nous prions, Seigneur, que tu interviennes puissamment. Oh Père, pour parler au cœur, pour les bénir, pour les sanctifier. Et aussi, Père, pour leur inspirer de grands projets. Oh Père, continue de faire grâce au nom de Jésus. Toute la famille Augustin, Père, est devant toi comme une action de grâce ce matin pour te louer et te bénir, pour te dire merci, pour être encouragé devant toi, pour t'adorer,
Ô Père, le foyer de communion est devant toi pour te rendre action de grâce. Ô, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui avait fait le 4 septembre 2022. Tu es ce même Dieu, tu peux refaire, tu peux le faire encore en ce 1er septembre, en ce 1er octobre 2022. Autrement dit, déjà, tu nous donnes un mois de grâce dans le foyer de communion en présentiel. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom, parce que tu es le Dieu de grâce. Ô Père, dans cette situation dans notre pays, où tout est difficile, si ce n'est ta grâce, que ferions-nous? Si ce n'est ta grâce, où serions-nous? Si ce n'est ta grâce, ô Père, nous serions déjà dans la demeure du silence. Au nom de Jésus, nous te disons merci, nous te rendons action de grâce, Père, et puisque c'est toi qui n'impute pas à nous nos péchés, ô Père. Il est dit dans ta parole que tu éloignes de nous nos transgressions, aussi éloignées que l'Orient est éloigné de l'Occident. Nous bénissons ton nom. Et ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Nous bénissons ton nom. Et c'est pourquoi, oui, nous sommes en train de bénir ton nom. Nous te disons merci. Nous te louons. Nous t'adorons. Merci, Père. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de pitié. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de bonté. Nous célébrons ton nom. Oh, comme David dans le psaume 32, Père, c'est toi qui es un asile pour nous. C'est là où nous pouvons nous réfugier. Nous bénissons ton nom pour cela. Il est dit que tu es notre demeure. Et tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci, ô Père, pour notre pays. Oh, nous levons notre pays devant toi. Les familles haïtiennes, Seigneur, l'école en Haïti est devant toi. Voilà une situation, Seigneur, où les enfants restent à la maison. Ô Père, fais grâce, Seigneur. Fais grâce dans ces maisons. Que ces enfants, Seigneur, ô Père, ne soient pas isolés. Oh, que ces enfants, Seigneur, ne soient pas exposés aux mensonges du diable. Oh, et que ces enfants soient exposés à ton amour et à ta grâce pour chacun de nous. Parce que tu fais grâce, tu fais grâce, tu bénis, tu fais grâce, tu bénis. Nous pensons à toutes les familles, Seigneur, en ce moment, qui ont besoin de toi, soit qui pleurent le départ de notre chair, soit qui souffrent maintenant à cause d'une dépossession, à cause d'un manque quelconque. Ô Père, nous prions que le Dieu de grâce, que le Dieu de grâce intervienne en leur faveur, que le Dieu de grâce les encourage, que le Dieu de grâce les réconforte, que le Dieu de grâce les console. Oui, que le Dieu de grâce, oh, les restaure au nom de Jésus. Ô Père, nous te disons merci pour ta restauration. Et il est dit dans ta parole, oui, Père, nous n'allons pas nous comporter comme le cheval, comme le mulet sans intelligence. Nous allons nous soumettre à ta volonté pour te suivre partout, avec nos yeux fixés sur toi, avec nos yeux rivés sur le chef. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom et nous bénissons ton nom. Père, il y a tant de situations. Yo, Père, il y a tant de situations devant toi, mais nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour. Au nom de Jésus, nos familles sont entre tes mains. Delma 75 est entre tes mains. La zone de Silo est entre tes mains. Delma 83 est entre tes mains. La zone de Puyblain est entre tes mains. Ô Père, la zone de Delma 33 entre tes mains. Ô Tabar, Seigneur, est entre tes mains au nom de Jésus. Ô Port-au-Prince, dans son entièreté, est entre tes mains au nom de Jésus. Pétionville est entre tes mains au nom de Jésus. Cap-Haïtien, Seigneur, toutes les villes du pays, toutes les contrées de notre pays, c'est entre tes mains, ô Dieu. Ô Père, prends ce pays pour ta possession et fais-nous grâce au nom de Jésus. Ô Père, prends-nous pour ta possession et fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et amen. Amen.
Voilà, amis, nous sommes arrivés à cette partie-là où nous allons considérer le psaume 116. Nous allons témoigner reconnaissance au Dieu de la grâce. Le psaume 116. Est-ce que vous êtes là? Psaume 116. Lisons ensemble. La parole de Dieu dit: J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, oui, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Amen. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Crions ensemble, louez l'Éternel. Disons encore, amis, louez l'Éternel. Et enfin, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amis, comment témoigner reconnaissance au Dieu de la grâce? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amis, qu'il est posez-nous quelques questions. Nous pouvons le finir. Mais prends-tu temps avec moi. Prends-tu patience avec moi. On nous répond à quelques questions. Un, amis, aimons-nous le Seigneur? Répondez, amis. Est-ce que nous aimons bon Dieu? Dis bon Dieu ça. Dis, Seigneur Dieu, je t'aime. Oh, merci Père, je t'aime. Tu m'aimes d'un amour éternel. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Deuxième question, ami. Est-ce que le Seigneur a entendu ta prière? Dis-lui merci pour cela. Oh, merci Seigneur parce que tu as entendu ma prière. Dis-le-lui. Oh, merci Père parce que tu as entendu, tu as écouté ma prière. Tu as exaucé ma prière. Qui te pose une autre question? Le Seigneur t'a-t-il délivré de la tristesse? Eh bien, si oui, dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci quand même. Dis merci Père, parce que tu me délivres de la tristesse. Est-ce que mon Dieu délivre de la douleur? Douleur dans le corps ou... Hein? Douleur dans le corps ou dans l'omoplate ou... Est-ce que mon Dieu délivre de la douleur comme ça déjà? Dis merci pour ça. Moi-même, je dis merci pour la douleur ça. Pour me dire merci papa parce que vous délivrez moi de douleur. Dis merci pour ça. Qui a besoin de l'autre question, ami? Dieu est-il miséricordieux envers toi? Si oui, dis-le-lui. Dis merci Seigneur pour ta miséricorde envers moi. Qui te demande encore, ami? L'Éternel t'a-t-il fait du bien? Est-ce qu'elle fait du bien? Invoquez le cognac. Dis merci parce qu'on fait du bien. Et moi reconnaissant envers vous pour ça. Dis-le ça, non? Qui te pose une autre question, ami? Peux-tu compter les bienfaits de Dieu envers toi? Non, ou pas qu'à compter. Dis merci, papa. Dis merci, Seigneur, ô Père. Merci parce que tes bienfaits sont si nombreux dans ma vie que je ne peux même pas les compter. Je bénis ton nom. Je te rends action de grâce. Je te bénis et je te suis reconnaissant. Dis-le-lui.
qui te demande aux amis, sais-tu que tu as du prix aux yeux de Dieu? Et même dans ta mort, tu as du prix aux yeux de Dieu? Dis-lui merci pour cela. Et enfin, ami, voilà la question pour terminer. Que pourrais-tu lui offrir en retour? Que pourrais-tu lui offrir en retour? Où est ta coupe de délivrance, ami? Lève cette coupe maintenant devant l'Éternel. Lève cette coupe de reconnaissance devant l'Éternel pour lui dire merci, ami. Que lui donner en retour? Mon cœur, ton cœur, ça lui suffit. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. Voilà, ami, quand tu es sous pied, nous pourrons chanter, nous pourrons louer, mon Dieu, nous pourrons dire merci. Ô Père d'amour, nous bénissons ton nom. Ô merci Père, nous glorifions ton nom aujourd'hui. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu de grâce. Ô oui Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous a aimés le premier. Et Père, nous voulons te dire aussi que nous t'aimons. Merci ô Père. Merci, ô Père, nous t'aimons aussi. Oh, c'est toi qui as entendu nos prières. Nous te disons merci, Seigneur. C'est toi qui nous as délivrés de la détresse. Nous te disons merci. C'est toi qui nous délivres de la douleur. Nous te disons merci. C'est toi qui nous ouvres les portes de la grâce. Nous te disons merci. C'est toi qui fais de nous, Seigneur, oh, des personnes que nous ne sommes pas capables de yer en dehors de vous. Nous disons merci pour ça. C'est vous-même, Papa, qui a miséricorde envers nous, qui n'a pas puni nous, j'en ai mérité là. Nous disons merci pour ça, Papa. C'est vous-même, Seigneur, qui fait nous du bien toute la vie. Nous disons merci pour ça. Merci, Père, parce que tu me fais du bien. Merci parce que tu fais du bien. Merci parce que tu fais du bien. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu? Oh Père, nous ne pouvons pas compter tes bienfaits envers nous. Et voilà pourquoi nous te rendons action de grâce. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants envers toi. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Ô Père, nous avons du prix à tes yeux. Même Seigneur, ô Père, nous te disons merci parce que nous avons du prix à tes yeux. Le prix que tu as payé pour nous à la croix. Le prix de Jésus-Christ. Voilà ce que nous valons devant toi. Ô Père, nous te disons merci et nous glorifions ton nom. Et qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? Libre Seigneur à toi. Voilà nos cœurs disposés devant toi pour te remercier, pour te servir, pour t'honorer, pour t'engager dans notre vie. Nous bénissons ton nom, ô Père. Merci Dieu, merci Père Céleste, merci Père Céleste pour tout. Le foyer de communion est entre tes mains. Au nom de Jésus, nous déclarons toutes nos prières exaucées devant toi. Ô Père d'amour, toutes les personnes connectées à nos services, nous déclarons que leurs prières sont exaucées devant toi. Ô Père d'amour, toutes les personnes connectées, Seigneur, à nos services, nous déclarons un miracle de salut sur la vie de tout un chacun, toutes les personnes connectées sur le foyer de communion. Nous déclarons un miracle de vie abondante sur la vie de chacun d'eux. Ô Père d'amour, merci. Des familles qui souffrent maintenant, nous déclarons action de grâce sur ces familles parce que tu vas les délivrer, parce que tu les délivres déjà. Au nom de Jésus, nos enfants, Père, nous prions. Ô Père, nous te rendons action de grâce pour nos enfants. Merci parce que tu les sauves. Merci parce que tu les orientes. Merci parce que tu les gardes. Merci parce que tu les intègres dans ta famille. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour notre pays. Nous te rendons grâce pour notre pays. Nous te rendons action de grâce pour notre pays. Pour nos familles, pour nos amis, pour nos leaders. Ô Père, que tu sois le Dieu de grâce pour Haïti. Que tu sois le Dieu de la grâce pour Haïti. Que tu nous fasses grâce en Haïti. Nous bénissons ton nom. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous te disons merci. Oh, nos besoins sont satisfaits en toi. Nos besoins sont satisfaits en toi. Nos besoins sont satisfaits en toi.
Nos besoins sont satisfaits en toi. Au nom de Jésus. 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 Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Amen. 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 Oh, merci Père Céleste. Merci Père d'amour. Merci Père d'amour. Merci Père d'amour. Amen. 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 Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi, que pour toi. Voilà, amis. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière Bible en main pour ce samedi 1er octobre 2022. Au nom de Jésus, nous devançons le mois d'octobre et nous déclarons du bien sur notre famille, du bien sur le foyer de communion, du bien sur les enfants de Dieu, du bien sur notre pays, oh, du bien sur nos enfants, du bien. Du bien et du bien, nous déclarons au nom de Jésus. Voilà, amis, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end.
Voilà, amis, c'était la prière Bible en main. Voilà, on se donne rendez-vous hein, ce dimanche hein, à Delma 83 à la rue Ulysse au numéro 19 pour notre rencontre en présentiel ce dimanche. Voilà, amis, excellente journée, excellent week-end, ok? Et restons attachés au Seigneur. C'était la prière Bible en main. Amen.